Salut tout le monde, c'est Joujol, les grandes vacances c'est pour bientôt et je me suis dit, ça serait cool de présenter un objet sympa pour ces grandes vacances. C'est pour ça que j'ai pensé à un drone, mais pas un drone comme les autres. Un drone qui déjà ne coûte pas trop cher, qui soit de bonne qualité, qui propose une caméra embarquée et que vous pouvez piloter avec un appareil Android ou iOS. Et je l'ai trouvé. Il n'est pas trop grand ni trop petit, vous pouvez y jouer à l'extérieur comme à l'intérieur. Le drone est solide, pendant mon test je l'ai même fait foncer sur un mur et il marche toujours aussi bien. Par contre, les hélices que vous pouvez changer facilement peuvent s'abîmer durant vos petits accidents. C'est tout à fait normal, c'est le problème qu'on rencontre à chaque fois avec les drones. Alors avec ce drone, on vous donne 4 hélices en rechange, du coup c'est pratique, mais si vous commencez à jouer souvent avec le drone, le mieux est de prendre des hélices supplémentaires. Ça coûte vraiment pas cher, vous en avez pour 1€ les 4, donc ça va, c'est assez tranquille. Alors comment on fait pour contrôler ce drone? Tout d'abord, quand vous allez allumer le drone, il va lancer un signal Wi-Fi, donc vous l'avez compris, il se contrôle via le Wi-Fi, et justement vous devez connecter votre smartphone sur le Wi-Fi du drone, donc vous faites ça. Après, vous allez lancer l'application CX Wi-Fi UFO qui est disponible gratuitement sur iOS et sur Android. Je mettrai le lien de téléchargement dans la description et le drone va automatiquement être reconnu et vous pouvez commencer à le faire voler. Vous avez une portée de plus de 30 mètres, donc vous pouvez le faire voler assez loin. Le contrôle est instantané, on n'a pas de temps d'attente. A l'aide de la caméra embarquée, vous pouvez voir sur l'écran de votre smartphone en simultané ce que vous êtes en train de faire. Par contre là, il y a un petit peu d'attente. Moi perso, je peux pas contrôler le drone en regardant l'écran de mon smartphone, je suis obligé de regarder le drone. Du coup, c'est pas forcément une fonctionnalité qui sera utilisée par tout le monde. Avec la caméra embarquée, vous pouvez filmer ce que vous êtes en train de faire et même d'effectuer des photos. Après, la qualité n'est pas exceptionnelle, on n'a pas le son, mais ça reste convenable par rapport à son prix qui est de moins de 50€. Le drone est fourni avec une batterie de 700 mAh qui offre une autonomie de 10 minutes. Pour la charger, ça se passe par un système USB et là, le temps de recharge est vraiment long, comptez 1h30. Donc je vous conseille de prendre 2-3 batteries supplémentaires pour que vous puissiez vous amuser sans problème pendant environ 30 minutes avec votre drone. Le drone est vendu au prix de 43€, ce qui est très raisonnable pour ce qu'il propose. Les batteries compatibles, ça coûte environ 3€, donc c'est vraiment pas grand chose. Vous pouvez vous faire plaisir sans dépenser une fortune, donc c'est ça qui est cool. Bien évidemment, pour ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien de tous les produits dans la description pour vous faciliter la chose. Personnellement, je me suis bien amusé avec. Au début, c'était un petit peu difficile de l'utiliser, mais après quelques minutes, on commence à bien le manipuler. Je tiens quand même à vous préciser quelques petits points négatifs, il y en a deux. Tout d'abord, vous n'avez pas de bouton power, donc il s'allume automatiquement lorsque vous allez brancher la batterie. Et puis pour enlever la batterie, dernier point négatif, faut faire attention quand vous allez le débrancher, faut le faire vraiment tout doucement, justement pour éviter d'abîmer les fils. Sinon pour le reste, c'est top. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce drone, je sais que c'est la mode et quand j'ai vu son prix, je me suis dit ça, je vais le tester, ça risque d'intéresser pas mal de mes abonnés. J'espère que la présentation de cet objet vous a plu. S'il y en a certains qui ont le même type de drone, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez par l'intermédiaire des commentaires. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android. Salut. On va avoir plein de fraises. Regardez, on va avoir plein de fraises. Plein de fraises. Une.